Cette petite tuto là, c'est pour Euro Truck Simulator 2, American Truck Simulator, l'éditeur de map. Je vois qu'il y a eu beaucoup de problèmes là-dessus, puis qu'il y a juste des vidéos en anglais ou en chinois ou en Europe, pas en Europe, voyons, en tout cas, en d'autres langues, qui se comprend pas trop, que c'est ça, mais à force de regarder, demander à un gars comprendre. Bon, que là, je vais m'essayer de faire vite, vu que ça fait plusieurs fois que j'essaie de faire mon tuto, puis que ça plante, puis que ça marche pas, puis que ça. En tout cas, un peu découragé, mais bon, on va y aller. Yes, sir. Bon. La première des choses, vous avez Euro Truck, ou American Truck, peu importe. On s'en va dans le dossier où c'est installé. Si c'est, vous l'avez acheté sur Steam, ça va être dans le programme File. Si on va dans Steam, je vais montrer vite fait, là, parce qu'il y en a qui ne savent pas. Steam, ça sera peut-être Steam App Common, il va être ici. Que là, vous rentrez là, vous suivez le tuto. Moi, il est ici. Que là, je rentre là. Que là, vous, Bass, il est pas là. Que là, vous faites clic droit, nouveau, dossier. Vous marquez Bass, mais la même affaire, pas de majuscule, rien. Il faut que ça soit comme ça. Sinon, ça marchera pas. Faut que ça soit comme ça. Ça, vous rentrez. Vous faites nouveau. Vous faites dossier, vous créez map. Ça, il sera pas là, vous venez créer. Que là, vous faites map. Ne tenez pas compte de celle-là. Que là, vous faites map, vous rentrez là. Vous, ça va être vide. Ok? Ça va être vide. Que. Au pire, comme moi, vu qu'il est pas vide. Attends, le mettre là. Comme ça. Des autosaves. Pas trop me perdre tantôt par contre. C'est moi qui va me foutre être perdu. Que passe, map, et pas rien. Bon, tiguidou, là on est parti, c'est la soupe. Bon, là faut aller dans document, faut aller dans Euro Truck, faut aller config. On rouvre avec Notepad, ouvrez avec Notepad ou BlockNote ou BlockNote plus, on va faire genre. Config, là on va chercher console, puis console, on met à 1, il est à 0, on met à 1. Puis l'autre c'est développeur, il est à 0, on met à 1, on fait enregistrer, on va son kit, ça c'est Tigidou, ça c'est Tigidou. Après ça, on rouvre Euro Truck. Dans l'autre vidéo que j'avais faite, j'avais parlé du SCS Extractor, mais ça c'est pas mal pour extraire comme la map mais du jeu. Pour avoir la map du jeu, la modifier, mettons, des choses comme ça, mais c'est bon que vous allez voir l'autre tuto que j'ai fait juste avant. Que le rendu là, pour le mettre en fenêtre, mais là, vous savez, si vous avez regardé dès l'autre vidéo, là, option, il y a eu bien des questions là-dessus, là. Vous faites continuer partie, vous allez dans l'option, graphique, vous allez le checker, là. Vous pouvez même ajouter votre écran, mais c'est marqué, il est coché en vert. Vous le décochez, vous faites appliquer, ça tombe en fenêtre. Là, on fait table, puis le bouton avant le chiffre 1. Alors, ça, on marque edit. Moi, les écritures, ils restent comme ça. Je suis obligé de repaiser seulement sur le bouton à côté du chiffre 1, dans le fond. Là. Ça monte la vie. Puis là, on est dessus. Page up, down pour monter, descendre la map. Hop, on va monter dans ma main. Comme ça. Là, c'est sur road. On va faire plus, puis on va faire ça vite. Hein. C'est assez vite. Un petit crash. Bon. Comme ça. On va recommencer là. Bon. Tout ça, ça c'est correct. Bon, un coup que. Bon, ok, elle est belle. J'ai tout fini mes affaires. Tout est beau. Faut commencer par ce bouton-là. Recompute. En tout cas, je sais pas trop. Là. On pèse là-dessus. On fait oui. On attend. Le matin, je fais un tuto avec l'extracteur. Ça marche. On peut sauvegarder. On a les dossiers.
J'écoute mon tuto. J'avais oublié le mot, le mute de mon casque. Là, j'ai parlé de David parce que mon chose est resté sur mute quand j'écoutais la vidéo. Il n'y avait rien, pas de son. Je regarde la chose. T'es sur mute. Hey, réveille. On cherche de quoi, puis on se couche tard, puis on check des affaires, un moment donné, il est fatigué, hein? Là, je check en anglais, je check en espagnol, je check des affaires, là, ça te bourre la tête, là. Va loin, de plus en plus, par contre. Ouais, c'est long, là, c'est ça, plus qu'à long, plus c'est long, ça, c'est sûr. Ça, c'est juste un début. Ouais, quasiment le goût de faire pause au jeu. Bon, ok, check là, on fait save. Save map. Là, à ce moment-là, vous, il sera pas placé comme moi. Là, faut aller le placer dans le dossier qu'on a créé, base. Celui-là. Ensuite, ça vient dans map. Puis là, on va marquer map. Ben, là, ça, vous marquez que ce que vous voulez. Map V3. Là, on fait enregistrer. Voilà, là, c'est enregistré. Là, ce bouton-là, c'est pour quitter. Et là, on quitte. On va juste aller vous montrer vite fait. Puis en même temps, il y a une manière de pas faire. Okay. Ça va là, dans le dossier qu'on a créé, base, map, et voilà. Ça s'est enregistré. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est qu'il faut faire un back une fois. Ici, la map, on s'en va dans l'archive, ajouter avec WinRAR. Ça va vous prendre WinRAR. On le met en zip. On compresse pas. Pas tout. Et on le nomme comme vous voulez. V3. Puis ici, le point zip, ça on le change pour point scs. Alors ça on fait OK. Là, il est tombé comme ça de même. À côté, on a la map toujours là. Tout ça. On coupe, on l'enlève de là. Puis on s'en va dans document. On s'en va dans Eurotrack, mode. Puis là, on met notre map. Comme ça de même. Là, on peut l'effacer. Comme ça. Là, on s'en va. Juste pour vous montrer comme quoi que la map capte bien. Que parce que l'autre tuto que j'avais fait, il était là mon problème. Jusqu'à date, on n'a pas d'erreur, on n'a pas de message d'erreur, rien de ça. Moi, j'arrivais, je loadais ma map. Sur l'autre vidéo, on le voit. Je load ma map, mais il n'y a pas rien qui apparaît. Mais là, je sais pas. Là, je sais pas qu'est-ce que je fais de différent, mais. Ça fonctionne. Ah oui, c'est ce bouton-là que. C'est pour ça que j'ai fait de ça. C'est ce bouton-là, puis la manière, les dossiers, puis tout ça. Faut faire exactement comme cette vidéo-là. Là, on peut faire open. V3. Boom. Et voilà, notre map est là. On peut même runner la map. Essayez de vous mettre le son. Ah oh non, c'est vrai, ça peut pas. En tout cas, vous avez pas le son du véhicule, là, mais au moins ça marche. Essayez de pas faire un accident quand même. Ouais, je vous dis, mon ordinateur est. Ah non. Deux secondes. J'ai fait là, c'est pas que j'ai pas. C'était pas. Ça record encore. Ouais, ça record encore. Je sais pas, j'avais touché un bouton, mais j'étais plus sûr là. J'étais comme, what the fuck. Ouais, mais c'est ça là, vous avez vu que. La map a. Ah oui. Que la map a. S'est loadée. Là, ici, je vous montre la map du monde. Voilà. Et là, on pourrait créer genre Québec, Montréal, on pourrait faire Laurentide. Je sais pas, mais on pourrait. Je sais pas si on peut en mettre par ici, si on peut mettre en mettre par là, on pourrait mettre genre la France par là. Peut-être mettre Cuba par là, Alaska par en haut. Hein? Ce serait pas pire. C'est la gang, là. Il y en a un qui s'occupe.
De Laurentides, l'un qui s'occupe de Québec, l'autre de Montréal, l'autre s'occupe d'une autre place. Puis là, on envoie tout ça sur le même site. Ça serait pas payé. Bon, ben, que c'est ça qui est ça, dans le fond, ça fonctionne pour ça. Moi, pour là, je suis bien content. On a pour une bonne partie de la nuit, d'après moi, à m'amuser à faire des maps. Et là, c'est ça. S'il y a d'autres affaires, vous avez des questions, de quoi, là, vous voulez. En tout cas, venez commenter, puis je réponds régulièrement. Puis là, c'est sur ma nouvelle chaîne, parce que sur mon autre chaîne, j'ai eu des problèmes. En tout cas, je vais vous donner le lien pareil, parce que peut-être qu'il y a des affaires intéressantes, que, en tout cas, peut-être pas non plus. Bref. Que c'est ça qui finit la vidéo. Je vous laisse là-dessus. Bonne soirée, bonne nuit, bon matin, comme vous voulez. À bientôt. Du-du-du-du-du.